Donc bonjour, Bonjour, bonjour. vous êtes venu donc sur la marche de sur la grande marche de Saint-Joseph. Je voulais savoir un petit peu ce que vous êtes venu chercher, qui vous êtes, combien de temps vous avez décidé de marcher et quel était votre rapport avec Saint-Joseph. Alors Voilà. en fait, on a un groupe d'amis qui venons de Lyon. Donc moi, je m'appelle Sixtine. Là, on a Solène, qui était une de mes petites louvettes à Lyon l'année dernière. Bah, je te laisse te Et moi, présenter. c'est Camille, et j'ai un lion aussi. Et Émilie, elle vient aussi de Lyon. Donc on est venu entre amis pour sanctifier un peu bah, ce jour férié au milieu de notre travail, parce qu'on n'est pas encore en vacances. Et voilà, on avait envie justement de sanctifier cette journée en faisant quelque chose d'un peu différent et en se sanctifiant par l'effort, on va dire. Voilà. Et vous l'avez trouvé, ce que vous êtes venu chercher ou... Bah, pour l'instant, oui, c'est vrai que les pèlerinages, on a un peu l'habitude et à chaque fois, on arrive justement à se sanctifier dans l'effort en priant tous ensemble. En faisant des rencontres assez sympas dans les pèlerinages. Du coup, vous êtes étudiante, vous faites quoi? Moi, je travaille dans la communication. Moi, je suis étudiante en kiné. Et moi, je suis étudiante en médecine. D'accord. Et donc là, c'est surtout la rencontre des pèlerins qui vous a marqué, un peu la rencontre avec C'est vrai Saint-Joseph? qu'on est arrivé il y a très peu de temps. Donc, on est arrivé. On va dire qu'on a vécu juste, on va dire, le chapelet, le déjeuner. Mais déjà, en fait, on a été directement mise dans le bain et ça nous a fait du bien, en fait. Ça nous a un peu secoué au milieu de notre routine de cette Ouais. semaine. On a été marqué par l'accueil très chaleureux qu'on Voilà, a en reçu. plus, c'est Ouais, vrai. c'était Alors, vraiment l'accueil chaleureux des pèlerins, des autres pèlerins ou des des autres villageois? pèlerins, des autres Des pèlerins. pèlerins. Ben, on n'a pas trop croisé de villageois, donc plus ouais, les pèlerins autour de nous. Et après, nous, on avait participé au M de Marie Ouais. aussi l'année dernière, qui nous avait beaucoup porté. Et du coup, en fait, là, finalement, on retrouve aussi Cet accueil, cette cette joie fraternelle, simplicité. cette simplicité. Et finalement, bah, nous, en fait, là, on revient et on est un peu déjà dans le bain, en fait. Enfin, finalement, on sent que dans l'église, on se sent chez nous et c'est ça qui est chouette. Donc là, c'est parti pour l'été. Vous accompagnez jusqu'au 15 août Saint-Joseph à Alors, Cotignac. nous, on repart ce soir déjà parce qu'on travaille demain. Alors, moi, je reviens début août pendant une Ah, semaine avec d'autres amis, du coup. super. Normalement, j'ai une semaine à consacrer à Saint-Joseph. Et les filles, du coup, peut-être avec Camille, elle ne sait pas Peut-être. encore. Ah. Et Émilie, elle ne pourra pas. Saint Et du Joseph coup, a pour vous, choisi. quelle est la figure de Saint-Joseph? Qu'est-ce que c'est dans votre vie ou vos dites fois? Moi, c'est vraiment comme un père, en fait. Et je sais que c'est un peu le modèle, justement, de l'humilité, de la simplicité et de la paternité. Donc, je peux lui confier un peu tous mes soucis, toutes mes demandes. Et je pense qu'on a tous, au niveau personnel, et beaucoup de demandes à lui faire. Et même au niveau, on va dire, de notre pays. Je sais qu'aussi, c'est le patron de la famille. Et comme la famille est beaucoup attaquée, je pense qu'on peut aussi beaucoup prier pour ça, lui confier cette intention. Et voilà, moi, c'est vraiment la figure du père. Et c'est vrai qu'il est très proche aussi Saint-Joseph parce qu'il écoute vraiment, vraiment nos demandes et puis tous nos détails. Enfin, moi, j'ai une belle grâce aussi pour des recherches de logement avec Saint-Joseph où on demande vraiment des détails. Et en fait, on a vraiment pile le détail alors que finalement, le détail n'était pas forcément nécessaire. Et ça montre que c'est vraiment un cadeau de Saint-Joseph. Et du coup, ben, on a aussi envie encore plus de le suivre ensuite. Et puis Saint-Joseph, c'est aussi le patron des travailleurs. Et moi, j'ai pas mal étudié là, cette année en médecine. Et c'est vrai que c'est un modèle à suivre, aussi un modèle de confiance en Dieu qui est à imiter. Solène, est-ce que tu as un mot à dire? Alors, moi, je suis étudiant du coup, et je suis à la boîte là-bas, en Neuville. Quelque chose à rajouter ou pas? Merci Genre. Saint-Joseph. Oui. Merci ou je sais pas, rejoignez-nous, un truc Vive le PD! Rejoignez-nous, Un peu c'est trop sympa. bien! Vive le PD! Et vive le Même si vous PD, avez et vive si l'ambiance! vous avez envie de vivre, de consacrer votre été à de belles choses, faire des rencontres un peu inoubliables et vous sanctifier dans l'effort et dans la simplicité, rejoignez-nous. Ouais, c'est Voilà. vraiment chouette et vous regretterez pas. Ouais. Amen. Amen, Amen, Maranatha. Maranatha.